Yes, bonjour YouTube. Eden en hard, Mother pour objectif. Alors Eden qui démarre avec des objets aléatoires. Je démarre avec The Stars. Et quoi d'autre? La car batterie. Ah bon. Et ça marche pas du coup. La car batterie ne marche pas sur ce truc là, d'accord. Ok, bon. J'ai perdu. J'ai deux cœurs bleus, j'avais pas précisé. J'ai perdu un demi-cœur bleu. C'est quoi ça déjà? Ça duplique les ressources, non? C'est pas ça? Je crois que c'est ça. J'ai pas R encore ce soir. Hein. Je crois. Non mais là j'ai pas envie. Je vais. En même temps je. Okay. J'ai le Candy Heart. Le Candy Heart, c'est quoi? C'est quand je remplis un cœur rouge, ça me donne des stats up. C'est ça? Hey, 4,35 de dégâts, c'est pas mal, hein. On va faire cette run. Je sens le jeu m'appelle. Le jeu me dit joue. Il faut que you. Un, deux, trois, quatre, cinq. C'était 5. Ok. Prendre ça. Ouais, le Start Eden est cool. Bon, j'ai tenté. En fait, j'ai piffé le cadeau tout de suite en me disant bon bah au moins si j'ai un truc cool, c'est cool. Et si c'est dégueulasse, bon, tant pis quoi. On serait pas mal de bien jouer quand même. Mais non, tu le sais que ça marche pas comme ça. Un effort. Merci. Mais putain, mais concentre-toi! Non mais tout ça c'est pour regagner des cœurs rouges après hein. Bon, si je meurs là, en vrai c'est débile hein. Ok. Oh le stats up. Oh le stats up. Bon, je me suis dit ça va me donner un cœur rouge. Jamais. Non. Ok. C'est celui-là. Tout va bien. Je sais pas s'il y a moyen de les. De savoir que c'est celui-là, celui qui tourne. Quand on le voit. J'ai tellement espéré voir un cœur rouge ici et je n'ai rien eu. Je suis déception. Prendre le cœur bleu là. Je vais évidemment garder mes réceptacles rouges pour le Candy Heart. Je vais prendre le cœur bleu et potentiellement la petite batterie en vrai, même si celle-là est tentante. Peut-être garder ma thune pour celle-là. Il y en a d'autres, hein. Ah, il n'y a que lui. Ok. Merci. Le setup est tellement minime. Oh là là, mais un cœur bleu dans un feu. Le jeu vraiment que je joue, hein. Le jeu a vraiment envie que je joue, là. Hein. Ça commence à se voir, hein. Attends, mais Run Mother, ça veut dire qu'il me faut une clé. Je sais pas si je vais tout tenter du coup. Hein. Le jeu qui se fait pardonner. Mais attendez, mais j'ai pas de clé. Je vais devoir attendre l'étage suivant avant de descendre à. Ah ouais. Je pourrais pas faire autrement. Tant pis. Hein. Écoutez. Ah mais ma charge là. Charge crédit carte bidule là. Credit card. Ah mais ça fait tout gratuit. J'avais oublié. J'avais oublié. Oh, je me fais pas un Meat Boy, hein. Pas la bonne idée. Attendez. Faut que je garde la. Attendez, j'essaie de tout compute là. Mon cerveau a du mal.
Attendez, j'ai du stats up là. Du coup, je vais le garder pour le boss. Plus intelligent. Et le cup qui va aider un peu, hein. Mais ça, non merci. Faire ça parce que je sens que je vais me faire troller. Voilà. Merci. Ok, on libère le passage. On est bon. Quel emmerdement! Ça commence bien hein, la run en vrai, hein. Juste faut que j'arrête de faire le con quoi. Il y a des opti à faire. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que les HP que je vais récupérer avec le stem cell vont booster mon candy heart? Ce serait incroyable. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'avec ma double batterie là, je peux me permettre de garder la charge complète, comme ça j'ai les stats up. Mais le jeu. Bah le jeu il a envie en fait. Et là tout se goupille, c'est-à-dire que là je vois là, le jeu il a envie hein. Le jeu il a envie que je gagne. Ça y est, c'est officiel hein. Officiel. Oh là, l'aiguille d'euthanasie qui est partie à une vitesse. Oui. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de cette run dans le chat? Qu'est-ce qu'on en dit? Ça commence bien ou vous sentez que je vais faire de la merde à un moment donné et ça va mal se passer? Oh, le Black Rune, c'est bien. Oh. Le Black Rune, c'est si bien. Attends. Tire là, 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 là. Tire là. Là. Mais tire là. Non, mais il fait d'accord. D'accord. Je suis si déçu. On est Dross 1. Donc j'ai un étage encore avant d'avoir besoin de deux bombes. Ok. Tout va bien. Alors lui il passe à travers les murs, attention. À travers les trous. Ok. Il faut que je teste les pilules en vrai, je pense. Je pense que je suis un peu obligé. Ok, cool. Cool, cool, cool. Bon. Si je peux me tataner de la vie quelque part, ça m'arrangerait beaucoup. Salut Zarty, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le jeu il est sympa? Merci Lady Pumpkin pour les 25 mois, un an, non, 2 ans et 1 mois, merci beaucoup, petit coucou rapide, bon jeu, merci. Merci Lady Pumpkin, j'espère que tout roule pour toi évidemment. Et que tes projets avancent bien. Je vais mettre ma clé là-dedans. Hein. Oh le 20 sur 20? 18 sur 20? Bon, je prends, hein. Même si c'est un damage down, ça reste très fort. Hein. Est-ce que je tente... Non, j'ai plus de clé. 18 sur 20. C'est pas mal, hein. Cette run, elle commence bien, hein. J'y ai toujours cru, hein. Putain, le 20 sur 20. En plus, ce matin, j'y pensais au 20 sur 20. Je me disais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le 20 sur 20, en vrai. Très très longtemps que j'ai pas eu le 20 sur 20. C'est vraiment dommage que j'ai pas moyen de me tataner mes PV rouges, là. Ça fait trop chier. Bon, Binky, c'est très très bien. Tears up, un petit cœur en plus. Ça avance, je suis en plein montage. C'est pour ça que je ne peux pas rester. Pas de problème, courage. Courage, courage. 18 sur 20. Les petits enfants ont bien travaillé. Est-ce que... Non, faut que je garde mes cœurs rouges. Hein. Faut absolument que je garde mes cœurs rouges. Là, le seul vrai problème que j'ai, c'est que j'aimerais vraiment me tataner mes cœurs rouges. Et je pense que j'aurai aucun moyen... J'ai trop peur de mettre ma bombe. En vrai, pour moi, elle est forcément là. La secrète. Mais il y a très peu de chances qu'il y ait un mendiant dedans. En vrai, j'aurais dû aller au Devil Deep pour voir s'il n'y avait pas un mendiant de sang. Ça aurait été incroyable. Et si je récupère pas. Non, mais je vais récupérer deux bombes. Bon. Tant pis, c'était pas le bon move. Ça fait trop chier parce qu'il y a vraiment beaucoup de cœurs rouges. Mais tant pis. Sans plus faire des petits stats up. Est-ce que la curse on se dit que c'est worse? Je sais pas pourquoi, je l'attente.
Ok, bon, moi j'ai été remboursé. J'ai été remboursé, très bien. Bon bah allons-y, hein, on descend. Et tant pis. J'ai aucune ressource. Ah. Bonjour. Bronze Arki, MDR, ok, je prends. Tant pis, hein, j'aurais pas 100% de chance de... Bah ouais, mais là, là j'ai un problème, c'est que... J'ai zéro clé, quoi. Ça va me foutre dans la merde. Ça va me foutre dans la merde. C'est tellement sûr. La Switch a un capteur de luminosité. Oui, oui, puisque tu peux dire que la luminosité de ta Switch s'adapte à la luminosité de là où t'es. Donc oui, oui, bien sûr. Sur 21. Je l'ai en tête, c'est horrible. Ah, je peux pas. Je mettrais pas une bombe pour ça. J'aimerais bien avoir une machine de donation du sang, mais ça me mettrait giga bien. Enfin, giga bien. En vrai, les stats up données par les cœurs rouges qu'on récupère sont pas folles, folles. Mais allô ? Non mais... Ah oui, non mais... Oh là là. Mais tout est bien là en fait. Qu'est-ce qui pourrait mal aller en fait? Mais en fait la direction de leur tête n'indique pas où ils vont tirer. On sait pas en fait où ils vont tirer, faut juste être loin. Ouais, c'est l'idée, hein. C'est l'idée. Oui, bah fallait la tester, hein. Écoutez, voilà, fallait y aller. Ok. La run est bien là. Elle est plaisante. Putain, mais cette salle là je l'avais jamais vue avant, aujourd'hui je l'ai eu 3 fois. Hein. Le jeu me fait comprendre que voilà. Ah, tu connais pas, t'inquiète, tu vas connaître. Alors, j'ai qu'une seule clé. La grosse pilule, je sais plus ce que c'est ça. Faut que je garde ma bombe. Je peux pas aller là, évidemment. Bon, on va aller faire l'étage alternatif. Et il faut espérer que je récupère une bombe. Sinon je suis dans la merde. Il faut une bombe et une clé pour être bien. Il était où le... On va voir le boss en premier en vrai. Pour voir si je le fais dans l'autre monde. Vas-y. Ah, c'est celui que je connais pas. Du coup je le ferai peut-être pas de l'autre côté. Je le connais pas ce boss bordel. Je comprends rien au boss. Donne-moi un objet de ouf en récompense, ça serait incroyable. Ça a été. C'est deux clés. C'est deux clés de la luck. J'ai une bombe pour l'instant. Je vais la mettre tout de suite. Ça me permettra peut-être de me rappeler qu'il faut que je passe par là. Donc il me manque toujours une bombe. Mais attends. C'était bon en fait, je suis bête. Suis-je bête? Je suis tellement piffé. Ok. Je suis allé sans hésiter presque. Et là-dedans il y avait... Il me faut toujours une bombe, hein. Ça c'est... Bon. Ok, on va aller par là. Attention à eux là. Ok. On est bien là. La run est cool. The Sun. Après The Sun, ça fait du dégât en zone. Voilà. On va remplir la salle. Ça c'est bon. Les secrets, ça sert à rien d'y retourner. C'est quoi la différence? Les ennemis qui explosent en larmes en mourant des autres niveaux visuels. En fait les larmes noires sont générées par un item à moi. C'est un item à moi qui fait que quand je tue un ennemi, en fait parfois ça jette une seringue. Et si cette seringue touche un ennemi, l'ennemi meurt
forcément, et génère des larmes autour de lui qui font des dégâts à tout le monde. Sauf moi. Du coup. Je pense que je vais tenter le boss en vrai. J'ai envie de tenter le boss, ne serait-ce que pour avoir l'item en plus. Enfin, si tu parles de ça du coup, hein. En espérant que tu parles de ça. Ok, je vais tenter le boss. C'est risqué parce que en vrai je le connais très peu. Et si je me fais toucher deux fois je suis mort. Je le rappelle. J'ai l'impression qu'il suffit juste de tourner autour de lui pas trop vite. Et ça suffit quoi. Ouais. Ok. Divorce Paper, ça se prend. Hein. Je ne prends pas ça. C'est un gros tears up hein, Divorce Paper. J'ai oublié. Ok, bah demi-tour. Demi-tour. Et la secrète, on la voit du coup. Ah mais du coup, je peux aller dans la challenge aussi. Je réalise, hein, je réalise au fur et à mesure. Je vais me permettre de faire ça. Je vais me permettre de faire ça. Parce que j'aurai encore une bombe. Et qu'est-ce qu'on a ici? On va le faire. Ah bah un re. Du coup. On se met bien là. On se met vraiment bien. Run Mother, hein, je rappelle. Pour ceux qui débarquent potentiellement, on est sur Eden. On a eu pas mal de trucs sympas pour l'instant. Parfait. Ok, ça c'est bon. The Young Man, c'est Ozef, je pense. Ah, la pilule dorée. Ah, c'est dangereux la pilule dorée. Hein. Friends till death. Après on a vu beaucoup de pilules positives depuis tout à l'heure, c'est pour ça que je vous permets de d'y aller un peu. Un peu beaucoup. Peut-être arrêter hein. Cheers up, lockdown. Ok bon c'était cool. Je m'arrête là. 28 balles. Else up. Ok. Ok. Excusez-moi, hein, je compile toutes les infos au fur et à mesure dans ma tête. Ok. J'aimerais bien me soigner du coup. Soigner le cœur d'os que j'ai, comme ça, ça me donnera encore du stats up. Voilà. Pas beaucoup, mais ça se prend, hein. Et j'ai 3 bombes encore si jamais je veux tester une secret, genre là. Il faut une bombe, hein. Faut juste que je garde une bombe. Vous pouvez pas être là, je suis trop con. Je suis vraiment trop con. Ok. Parfait ça. En vrai, j'ai presque envie de perdre mon cœur d'os. Parce qu'il est tout au bout et ça m'embête qu'il soit là au bout. Il m'a rien donné. Hein. Il m'a rien donné. Ok. Là, je vous avoue que je vais en profiter au max. Hein. Le moindre truc que je peux gratter, je vais gratter. Hein. Je pense que je vais perdre mon cœur d'os en vrai. Ça m'intéresse pas de le garder. Il y a toujours la pilule full health potentiellement. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Holo Engine? Ça y est? Moi aussi j'ai le droit à mon engine? Ah, le jeu me donne la run là, c'est ouf. Beau confessionnal en tout cas. Je pense que je vais vraiment me tarter et enlever mon cœur d'os. Je sais pas pourquoi, j'ai pas envie d'avoir un cœur d'os au bout. Même si en vrai c'est avantageux le cœur d'os parce que je peux le re-remplir. Non mais si en vrai c'est une bonne idée, je suis bête, je devrais garder le cœur d'os. Je vais essayer de le garder. Est-ce que je repiffe la pilule? En vrai j'ai pas eu de truc trop négatif pour l'instant avec la pilule donc je me dis que je peux peut-être tenter encore un petit peu. Mario Wizard, Power Pill, Lockdown.
Speeddown, Hematemesis, Verp. Non. Shot speed up, range up, on next you largeur. Et on l'a plus, ok. On a épuisé le stock, donc tant pis. Le gros health up aurait été pas mal, hein, mais non, pas abusé. Donc là on avait vu tout ce qu'on voulait voir, ok. Bon bah c'est bon, j'ai fermé cet étage comme un gros mort. Down pour 2, j'ai mon bout de couteau. Je vais aller mettre mes cœurs dans le confessionnal au cas où il me lâcherait la godelle, on sait jamais. Ou un secret d'art. Hein. Moi ça me va, les deux me vont. Hein. Tiens à préciser. Ok. Bon. Allez. Alors que je vois les émotes du 600 Jain dans le chat. Bon, c'est reparti. N'oubliez pas de follow, hein, s'il y a des nouveaux sur le stream d'ailleurs. On ne sait jamais. Je viens ici. Ah bah voilà, machine de donation du sang. Donc tous les cœurs rouges que je trouverai pourront être rentabilisés. Je vais quand même essayer de garder le cœur d'os. Hein. Je vais tout donner. Pour garder le cœur d'os. Alors eux, je les connais pas trop. Ok. Ah, eux, c'est les relous avec les os qui rebondissent. Très bien. Je connais pas non plus, enfin pas trop. Trunks. Ça me soigne d'un cœur, Trunks, non? Ouais, ça me soigne. Ah par contre, ça m'a retiré un cœur bleu. Ça fait un peu plus mal au cul. Ok. Pour une clé, j'ai deux bombes. Il y a un monde où je prends. Je comprends pas bien les stats up que j'ai par rapport au Candy Art. Je sais pas comment ça marche en vrai. C'est un tout petit stats up quand je récupère un cœur rouge en fait. Point. Pour toute la run. Parfait. Tellement d'argent, mais ça rime tellement rien. Oh là là. J'avais jamais eu cette salle, tiens. Évidemment, je me fais tarter. Ok. Merde. Cool. Avec Tété de Magdalene, ça doit être très fort le Candy Art. Ouais. Ça doit être ouf. Salut Kirino. Mais je crois que c'est avec elle qu'on le débloque d'ailleurs, hein, le Candy Art. Il me semble. Ok, on a une batterie qui traîne ici. On récupère encore des cœurs rouges. Il y a une carte potentiellement. La bouteille de pilule m'intéresse moyennement, en vrai. Peut-être ça pour des bombes. Ah bah, c'est pas celle que je voulais. The sun. Ah bah, full heal. Parfait ça. Et donc je suis obligé de prendre un dégât là. Ouais, donc à moins de voler, bon, on va dans la grande salle. Je pourrais claquer ça. Ok, il y a les fantômes. Ouais, bonne nuit Kirino, hein. Merci de passer. Bonne nuit à ceux qui s'en vont. Bonne soirée Isaac en vrai. Je suis bonne humeur pour faire du Isaac. Même si j'ai eu quelques loses un peu terribles. J'y comprends rien, mais c'est fun à regarder. N'hésitez pas à poser des questions, hein, si vous en avez vraiment. Si vous arrivez à en formuler. Posez vos questions. Après, c'est vrai que j'ai pris le full heal. Ah oui, non, mais j'ai une machine de donation du sang, c'est pour ça que j'étais content. Ah, mais du coup, j'aurais dû faire l'inverse. J'aurais dû d'abord vider et ensuite re-remplir. Et oui, je suis con. J'ai pas rentabilisé bien comme il fallait. Du coup, je pense que je peux me permettre de prendre ça, parce que je vais faire beaucoup de thunes. Et je viens de dropper un health up et un tears down. Dommage. On va reprendre ça. Ok. Bon. On va aller voir The Broom. Gemini. Gemini, ils m'en fout un peu. Osef. Isaac Steers, Osef.
Pourquoi? Ah oui, c'est... Qu'est-ce qui me montre les secrets comme ça? Qu'est-ce qui me les montre? Quel objet j'ai qui fait ça? Eh, c'est vrai que j'ai la queue de Guppy depuis tout à l'heure, ça va, hein, au niveau des coffres, on s'en sort bien. Ah, c'est The Sun! Ok, merci, je m'en souvenais plus que The Sun faisait ça. Je crois que le cœur n'est pas récupérable ici, hein. Ouais. Après, j'ai des bombes maintenant, je peux me le permettre. L'argent. Je pourrais Black Rune Isaac's Heart. Isaac's Tears. Qu'est-ce que je vais faire hein. Ok. Je vais totalement Black Rune ce truc là. Je pense qu'ici ça passe. Bon, je voulais toucher l'autre truc mais j'ai pas réussi. Ok. Bon, j'entabilise tout là. Hein. Je fais vraiment le max. Du coup, ouais, je vais Void. Je vais void le truc là. Parce que je m'en servirai pas. Ok, cool. Cool, cool, cool en vrai. Hop. Bon, qu'est-ce qu'on avait ici que je voulais prendre? Je me suis dit je reviendrai après. Je voulais prendre le cœur bleu potentiellement, mais je vais attendre. Je vais attendre de potentiellement avoir pris un dégât sur mon cœur bleu. Techniquement, je pourrais faire ça en vrai. Ouais, mais je vais prendre... Ouais, non, je vais perdre mon cœur d'os si je fais ça. Allez, ok, rocher marqué là-haut. Comme ça. Pilule. Range d'armes, ok. Pas grave, j'en ai beaucoup. Parfait. Bon, on se met bien en vrai, la run est cool. La run est cool en vrai, ça se passe bien. On est mine 1, hein. Nickel. Ah merde. Addicted, ça rend pas la salle suivante plus rapide. Je suis dans la merde. Je suis dans la merde. Je pourrais aller... je vais remettre des coups dans la machine de donation. Ça fait longtemps que j'avais pas opti... Enfin longtemps. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas opti une run comme ça. Mais là, il faut... Hein. Tout est important. Tout est important. Ok, bon, full thune en tout cas. Est-ce que je tente de mettre de l'argent là-dedans pour récupérer des cœurs rouges? Non. Merci. Merci le jeu. Oh, si je l'ai. Ah merde, dommage. J'y ai cru. Je crois que je dépense trop d'argent en vrai. Voilà, je vais garder ma thune. On est à 24 minutes là. Mine 1, 24 minutes. D'ailleurs, il y a ça que je peux utiliser. Range d'armes, c'est non. Non, bah on va doucement aller vers le boss. Hein. Plutôt de raison de traîner là. Un peu con ça. Hein. Un peu. Un peu quand même. Il y a une batterie. Two of Hearts. Rune batterie. Rune batterie. Bordel. C'est mis bien. Hein. En vrai, le Two of Hearts. Mais non, oui, je pensais que ça transformait les objets. Mais non, mais c'est pas ça. Bon, bah, du coup, non, je vais faire le boss avant. Enfin, le boss avant. Excusez, hein, c'est un peu long, on s'emmerde, mais c'est important de tout au petit là. Il faut quand même aller faire Mother après. Hein. C'est pas rien. Oh, ouais, oh là là, quel emmerdement. Pourtant j'ai pas tant de dégâts que ça, hein. C'est vraiment le double shot qui m'aide beaucoup là. Évidemment. Je perds mon cœur d'os. Hein. Eh mais le light bulb je l'ai bouffé au fait. Je m'en souvenais plus de ça. Eh mais c'est vrai que j'ai aussi mon truc qui me soigne tous les X. Ça me soigne des cœurs rouges tous les X, j'avais oublié ça. Bon, c'était courageux, hein. C'était courageux. J'y suis allé. Oh putain. Oh là là! Mais évidemment, évidemment, comment tu veux que je m'en sorte? C'est quoi ce bordel? Comment veux-tu? Bah ouais, non, mais là c'est foutu à ça. Ah. Bah d'un coup, ça va beaucoup moins bien.
Oh, le dry baby qui fait le taf, hein. La picouse. On aime bien la picouse. J'en ai déjà une. Ça fait deux. Allez, pourquoi pas. Bonjour. L'encens. L'encens, c'est bien. Bien l'encens. On va prendre l'encens. Je suis content d'avoir l'encens. Je suis content. Le radius de l'encens, il a été amélioré, non? Il a l'air si vénère, le radius. Ok. Lock up. Bombes Arki. Non. Regarde un petit peu mon truc, là. Ok. Et c'est vrai que j'étais rentré dans un Devil Deal, mais j'avais pris la queue de Guppy. Ok, bon, on se met bien, ouais. Hein. On se met bien. Bon, à l'étage, je vais peut-être vouloir aller mettre quand même mon cœur rouge dans la machine et récupérer le cœur bleu qui restait au shop, puisque je crois que je l'ai pas acheté. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. J'ai même pas pété le mendiant du shop. Et je peux totalement prendre mon health up en plus. Pour maintenant. Ok. J'avoue que mon perso là niveau cheveux, ça commence à être compliqué. J'ai besoin de rien ensuite, hein. Juste de la vie, hein. Je suis pas sûr de la vouloir la speed up en vrai. Allez, on avance. Et c'est une clé pour deux. Ouais, non, tant pis. Tant pis. Allez, on avance. J'ai pas la super secrète en vrai, mais je vais laisser tomber, je pense. On va la laisser tomber. Et ouais, on est bon. On est bon. On a fait grosso modo ce que je voulais faire sur l'étage. Faut vraiment du dégâts up ou des effets sur mes larmes, parce que sinon ça va commencer à être compliqué. Allez. Salut Meki, comment ça va? Oui, je connais le doigt accusateur. Le doigt accusateur, évidemment, on connaît bien. Oh, loup les fantômes en vrai. Hein. Oh, attends. Avant. Ah bah. J'essaie d'optimiser ma run, merci. Voilà. Ok, ça c'est quoi? Ah oui, ça fait que des fois quand j'arrive dans l'étage, ça me donne le mapping. Des fois. Mon débit de l'arme est vraiment excellent. En plus avec le double shot, l'euthanasie proc très souvent. Mais je manque vraiment de dégâts. Allez. Donc salut Mickey, hein. J'espère que tu vas bien. Et merci de nous rejoindre. Comment je fais pour choper ça, tiens? Faut deux bombes, une là et une plus loin. Je pose, je tente. Et une là. On va dire que ça vaut le coup, d'accord? Bon, j'ai récupéré une bombe. Allez. Solo! J'allais dire, j'aimerais bien avoir des cœurs rouges, merci. Merci le jeu. Oh, les stats up sont pas monumentaux. Ah si, en vrai ça va. Oh, l'encens. Oh, j'avais oublié l'encens. Oh là là, l'encens qui va carry tout le long. Regardez, j'ouvre le coffre ici et il y a une bombe dedans. Pas celui-là. Hein. Je sais pas si j'en veux, tiens. Pour le coup. Bon, j'aurais plus de clés peut-être, mais là, bon. Toutes les bombes de ta vie. Bon, j'en ai qu'une de bombe. J'ai oublié ça. Merde. Ces ennemis-là, pas encore bien rodés. Hein. Voilà des bombes. Parfait ça. Oh, je sais pas si on en veut de ça. D'un côté, je me dis. Ouais, vas-y, on va prendre. Je pense que ça peut vraiment me mettre bien. Matrix. Ok. Bonjour. Ouh.
Bon, j'ai marqué. Il y a un cœur bleu derrière. Cette optimisation avec le cul. Il prend jamais le cœur pourri, je crois. Hein. Ok. Bon. Prendre ça. C'est du stats up. On va pas s'en plaindre. Je joue manette. Je joue manette. Je remercie Nico pour le sub offert. Ouais, merci, merci de remercier, c'est gentil en tout cas. Et il y a eu beaucoup de sub offert hein, dernièrement, c'était assez incroyable. C'est par ici pour voir. Ok, il est rien. Ça c'est agréable ce soir, je sais pas pourquoi, je trouve que c'est encore plus agréable ce soir de jouer à Isaac. Peut-être parce que mes runs sont bonnes, de venir de ça. Tu vas aller voir par ici ou pas? Ouais, hein, ouais. J'ai que deux bombes. Je disais que ce style de jeu au clavier ça doit être compliqué. Non, ça, en fait ça se joue bien au clavier. Le seul problème que je trouve au clavier pour ce genre de jeu, c'est que tu vois, si je veux courir un tout petit peu vers la droite, avec la manette c'est possible, tu vois. Je peux me décaler tout doucement vers la droite. Alors qu'avec un clavier, tu vois, si j'appuie direct sur la touche du clavier, bah, ça va faire, ça va avancer à fond direct. En fait, y a pas de nuance au clavier. Et pour les déplacements, c'est un peu chiant pour ce jeu, ouais. Mais autrement, non, ça se joue, hein. Y a plein de gens qui jouent au clavier. Ça, ok. Tant que je récupère des clés, mais j'ai les clés infinies, donc tout va bien. Ah non, mais attends, oui, t'as dit, attends, c'est abusé là. Je tente la secrète là. Je dis au pire, je récupère des pièces. Je sais pas ce qu'ils font eux. Ok, je l'avais pas vu venir. Pourtant, il était énorme là, ça, j'aurais pu le voir, mais. Visiblement, voilà. Cœur bleu, addicted, non merci, infested, c'est oui. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, le mendiant de sang. Oh, quelle déception. Bon, le mendiant de sang, je vais attendre 2 secondes, voir si je peux récupérer vraiment beaucoup des cœurs rouges, ou si c'est la merde. Ok. Ah, c'est con, on aurait préféré les mettre ici les cœurs, évidemment. Ok. Pas mal ça. Ça aussi c'est pas mal en vrai. Hein. Oh là là, le diploplo. Prends le diploplo. Ah merde. Ah c'est chiant. Est-ce que je prends le. Est-ce que je vais faire le boss avec le diplo? On est où là? On est HP de 2. Il y a un monde où je fais le boss avec le diplo. Hein. Ah c'est relou. C'est relou. Bon, comment on fait? J'ai tout fait l'étage ou pas? Je crois pas. Hein. Ça j'ai pas fait. J'ai 2 bombes. Ah nice. Très cool ça. Dans l'étage où j'ai pas le mapping, ça fait plaisir. Ouh. Le vol. Non, on va garder le cœur rouge du coup. Ça a été fait. J'aurais jamais de quoi payer le mendiant. Ouais, allez, vas-y. Merde. En vrai, la meilleure truc qui peut m'arriver, c'est vraiment de dropper plein de cœurs rouges. Hein. Ok. Je refais le tour de. On va faire ça. On va faire ça tout de suite. Au moins, ça sera fait. J'aurai pas à revenir ici. D'ailleurs, j'aurais pu utiliser mon bouquin. Je crois que j'y pense tout à l'heure. Diplopia Guppy, oh, c'est un cas de figure quand même vachement compliqué, hein. Vachement compliqué à réaliser.
Rappelez-moi de défoncer des mendiants pour gagner des chances de salle là, à la fin. Allez, pas de stress. On sait comment ça marche. Super facile. Juste se décaler à chaque fois. Du chemin où on veut aller. Genre là, tu vas tout droit. Du coup, elle aura pas le temps. On se met ici. Parfait. Voilà. On va se mettre là-haut. Parfait. On récupère la petite clé. C'était Tainted Mintos. Comme l'appelle Shishiyu, je trouve ça. En vrai, giga marrant. Ah ouais, bah j'allais dire là, en même temps, si je m'en sors, je sais pas comment j'ai fait. Je prends un petit coup là-dessus, ça fait chier. Merde. Bon, pas parfait. Bon, nickel. J'ai quand même perdu un cœur là-dessus. C'est dommage. Ah bon, je cherche un super secret là, hein, vu qu'on a le I Can See Forever. J'avais pété un mendiant. Récupérer ça. C'est ce mendiant là. Ici. Le cœur noir. Ça, parfait. Je me suis paumé dans l'étage, je sais plus exactement ce que je venais faire. Je sais que ça je le prends pas. Parce que j'aimerais mettre mes cœurs dans le mendiant, mais je suis pas sûr qu'il soit très coopératif. Peut-être faire le boss avant de faire le mendiant. Hein. Même s'il y a peu de chances que ça se passe mal. Le mendiant qui est ici. Au shop. Il y a toujours le diplo. Est-ce que je prends le diplo? Je pense que je prends le diplo en vrai. Je pense que je tente le diplo, même si ça m'enlève des stats en vrai. Ça me paraît trop important. Je vais péter ce mendiant là parce que je crois que ça booste encore les chances. Et bah non, je pensais que ça boostait deux fois les chances, mais non. Non, non. Non, je vais faire ça après le boss en vrai. Soyons. Voilà. C'est un 0,60 en dégâts quand même, hein. Mais bon, ça c'est fort quand même. Bon, allez. Ah, il y a un rocher marqué là, j'avais pas vu. Ok. Magnifique. Magnifique cette première bombe. Pas du tout posé à la hâte. Je vais m'en sortir à un moment donné. C'est promis, à un moment donné, je vais faire un effort. Et ça va bien se passer. C'est promis, hein, vraiment. Je vais arrêter de stresser. Et ça va être incroyable. Mais je peux péter ça avec Euthanasie. Et je savais même pas que c'était possible. Et du coup tu peux te soft clock ici. Tu peux totalement te soft clock à cet endroit là avec Euthanasie. Très bien. Enfin si vraiment t'es nul hein. Putain, le jeu qui donne pas de God Room quoi. Trop chier. Prendre ça. Mettre deux cœurs ici. Ouvrir la porte du mausolée qu'il faudra pas oublier de prendre. Donc du coup, est-ce que je prends le diploplo ou pas? C'est la vraie question. Hein. Est-ce que je prends le diploplo? J'aurais tendance à dire que non. Donne-moi un item de fou furieux, vraiment j'en ai besoin. Hein. Merci. Ouais, il donnera plus rien du coup. Merci Hexago pour les 11 mois qui dit bonsoir. Bonsoir à toi Hexago. Comment ça va Hexago? Je pense que je suis obligé de rester avec ce bouquin là. Je les récupérerai jamais, c'est moi. Comment ça? c'est les regrets que j'entends Hexago. Merci pour les 11 mois, merci beaucoup. Est-ce que ce sont des regrets que j'entends? Qu'est-ce qu'on en pense le chat? Diploplo ou le bouquin? Bah, tout va bien et toi? Bah, tout va bien aussi, merci. Tout va bien, petite soirée Isaac qui se passe bien, je fais des belles runs donc je suis content. Vous partiez à Diploplo? Vous êtes visiblement chaud pour Diploplo, je vais vous écouter.
C'est juste que le bouquin me donne quand même beaucoup de... Ouais, beaucoup de cœur. En fait, là, ce qui me fait peur, c'est que je me rends compte que... J'ai plus beaucoup de vie, en fait. Hein. J'ai plus beaucoup de vie. Hein. Mine de rien. C'est bon, allez, je vous écoute. J'ai commencé Indivisible et je me fais casser la gueule. Quel plaisir. C'est quoi, Indivisible? Je connais pas du tout Queen. Ah bah j'ai... Évidemment, on se tape Gaena, hein, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. The World, c'est cool. Ok. Je sens les regrets arriver à une vitesse. Je garde le M-Drosy, hein, ça pourra me servir. Je sens tellement les regrets arriver. Gacha ? Gacha ? Oh, le gacha... Attendez, avant de faire le con... Attendez, avant de faire le con, je vais vraiment faire le tour de l'étage, pas comme avant où j'ai bourré un truc et finalement j'étais triste. Ok. Bon, on va clair l'étage de toute façon. Hein. Jeu indé très stylé, un genre de Metroidvania platforming, mais le combat c'est du temps réel avec une notion de jeu, de rythme et de combo. Ah, je crois que j'en ai entendu parler. J'en avais entendu beaucoup de bien, il me semble. Ok, cool. Non. Bon, niveau cœur, je suis bien en vrai, hein, tout va bien. Bon, bah alors lui, le pauvre. Annihilé. En fait, le problème de la Gilded Key là, c'est que bah, ça me fait utiliser une clé à chaque coffre pour le coup. Parce que chaque coffre est forcément un coffre doré. Donc, ça, c'est un peu emmerdant. Je vais garder la Black Rune pour l'instant. Je finirai peut-être par lâcher la Gilded Key. Hein. C'est trop le bordel. Un peu relou cette salle, vous avoue. Bon, l'encens qui aide quand même beaucoup, hein. Faut se mentir. L'encens, il met bien quand même. Nice. Voilà, oh, pour la Wooden Cross, je pense que ça va être un grand oui, hein. Gimpy, ok. On prend Gimpy. Je vais la laisser pour l'instant la Wooden Cross, je verrai si je pars avec. Empereur. Ouais. Ok. Ça a l'air tellement dur. Ah ouais, bah, je crois que j'avais entendu hein, que le jeu était quand même chaud. Hein. Il me semble. Hein. Indivisible. C'est sorti quand ça? Oh, tellement un mendiant de sang là. Ok. Bon, item room. T'as une planète. J'ai pas envie de Tiny Planet. Hein. J'ai pas envie de Tiny Planet. Du coup, est-ce que je piffe l'autre? Après, Tiny Planet, c'est mieux maintenant. Hein, mais je pense pas qu'avec mon build, ce soit le truc que je veux y avoir. Je pense vraiment pas. Très, très bien, ça. Très, très bien. Insane. Ah, par contre, l'argent, j'aurais pu la garder pour le gacha. Parce que le gacha, j'avais très envie. Ouais, j'hésitais à Black Rune, mais tu vois, finalement... Finalement, tout se passe bien. Tempérance. Ok, attends, je confonds tout là. Voilà. Bon, j'espère toujours un mendiant de sang, mais à mon avis, c'est peine perdue. Cette salle-là, atroce quand t'as pas le vol. Enfin, chiante, surtout. D'accord. Ok, bon.
J'ai l'impression que ça donne tout le temps ce trinket là en vrai. Donc là il y a une clé chargée que je vais prendre. Ouais. Non. Non merci. J'ai pas l'argent pour ça, mais je vais l'avoir bientôt. Oui mais Gimpy qui va me dropper des cœurs. Ouais non mais doucement quand même. Doucement le jeu. Donne. C'est un battery bum. On fout un peu. Hein. Jouer la thune. Tears down, non. Bah en vrai, j'ai pas envie du HP up. Pas envie du HP up. Putain, j'ai 3 balles, il m'en faut 5. Pour le gacha. Le gacha. Sorti en 2020, je crois. 8 octobre 2019, mais sur Switch en avril 2020. D'accord, merci. Merci pour les infos. Imaginez, attendez, mais tempérance. Tempérance dans une secrète, ça me donne pas forcément un mendiant de sang? Je dis bêtises? Oui, je dis bêtises. Ok. Mais techniquement, je peux en faire de l'argent du coup. Faut pas que je. Faut pas que je craque. Faut pas que je craque mentalement. Oh putain. Ok, ok. Mais non, mais pourquoi j'ai fait ça dans ce sens-là? Je suis trop con. Mais oui, non, mais je suis trop con. Mais j'ai tout inversé. Mon cerveau. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Avant. Je sais pas ce que je dois dire. J'ai la Black Rune là-bas. Je reprends la Black Rune. J'ai des cœurs là. Je reprends tout. Je reprends tout. On est où là? Gain à 1. On va aller faire le boss. Ok. Ok. Bon, j'ai pas diplo le stapler quand même. Bon, je suis pas là. Mais c'est envisageable. Mais le jeu? Ah bah ouais. Bah, je pensais que je prenais pas les dégâts puisque je vole, mais visiblement le jeu s'en branle. 6 bombes. Yes. Il y a tellement de cœurs bleus. J'ai envie de faire des dingueries. Tellement peu vu ce boss. Quoi? Bah toujours plus hein. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Y'a pas de problème. Bah pas de problème hein. Un devil deal. Ça drop un cœur ça. Devil deal. Je pense pas que ce soit dingue. Je confonds toujours ces objets là, hein, je sais plus ce que c'est. Ça c'est c'est lequel? C'est celui qui booste mes dégâts quand je suis dans une salle et que je tue des ennemis, non? C'est pas ça? Je peux game kit sur le confession. Ah mais game kit ça me donne une invincibilité temporaire. Oui c'est ça, ouais donc du coup ça m'intéresse pas, je vais pas prendre. Surtout pour deux cœurs. Le lipstick j'aurais pu le black lude hein, en vrai. Un peu con. Non mais oui, il y a un monde où j'essaie de rentabiliser ce truc-là. Hein. Peut-être pas mettre tous mes cœurs dedans quand même, mais... J'ai vraiment envie de survivre. Après j'ai un... J'ai un full health qui traîne dans l'étage, je crois. Hein. Je me fous dans la merde. Je me fous tellement dans la merde. Non mais ça va le faire. Aucun doute. En vrai, Ah, il mange aussi mon cœur moisi. D'accord. Merci Justum pour les 35 mois. Qui dit bonsoir, bonsoir à toi Justum. Comment ça va? Attendez, je racle le fond. Hein. Je racle le fond du tiroir.
Merci Justom. Merci pour les 35 mois de soutien. Et ouais, j'espère que ça roule. Je racle le fond du fond du fond du tiroir. Allez, donne! Donc là vous dites, bah il est dans la merde, qu'est-ce qu'il fait? Mais par contre c'est vrai que j'ai pas vérifié s'il était bien là. Parce que là je me suis mis dans l'ultra merde. Si jamais c'est même pas un full health en plus. Prends ça. Hein. Attendez, je regarde vite fait hein, ce qu'on peut faire. Mais quel emmerdement! Bon, je suis désolé de vous proposer ce contenu, mais c'est pour avoir la godhead. Hein. C'est important. Ah, ça dure longtemps en plus, hein! Ça dure très longtemps! Parce que j'ai la double batterie. Super. J'ai mis combien de cœurs dedans là en vrai? Bah le confessionnal non, en fait faut pas le faire péter, c'est plus que bah il peut te lâcher un objet de Godroom en fait, comme ça au pif. C'est plus ça en fait, qui est intéressant avec le confessionnal. Enfin j'aurais pas de quoi payer le gacha. Enfin tant pis hein. Voilà, là j'ai tout mis hein. J'ai tout mis. En vrai si je peux payer le gacha si je vais chercher de l'argent à machine. Regardez-le hein. C'est comme si je sortais ma carte bleue face à un gacha mobile. Oh, j'ai le droit à deux coups dans le gacha. Ça, c'est ouf. Hein. J'avais un cœur bleu. Ouais, mais je peux pas dépenser mon cœur bleu. En fait, c'est les cœurs rouges qui partiront avant. Oh! Merci! Magic 8 Ball. On s'emmerde. Non, on s'emmerde. Allez! J'arrête mes conneries, c'est bon. Putain, quel emmerdement. 50 minutes pour ça. J'avais pris l'objet ici, hein. Oui. À prendre au sol à ta droite. Mais à prendre au sol. Oui, oui, mais je peux pas le prendre, Sei. Ma barre de vie est pleine. Enfin, elle est pleine. Elle est vide de cœur rouge, mais elle est pleine. Bon, bon, on descend. Lipstick. Lipstick pour les hommes. Wow! Lipstick pour les femmes. Mais le cœur rouge que je viens de récupérer ne va pas. Ah, parce que c'est peut-être des cœurs entiers qu'il faut pour donner des stats. Peut-être. Ok. Bon, j'ai abandonné la guild Dead Key, hein. J'espère que vous m'en voudrez pas. Ouais, c'est ça, c'est par cœur complet en fait. C'est par tranche de cœur complet. Très bien. J'ai toujours mon diploplo, hein. Je m'en servirai jamais. Comme à chaque fois que je prends le diploplo dans une run. La diplopie. Ça doit pas être ouf la diplopie en vrai. Hein. N'allez pas chercher sur internet ce que c'est. Hein. Comme d'habitude, hein, de toute façon, dans Isaac. Si vous connaissez pas un objet, partez du principe que c'est bien. C'est quoi ça? Infested, oui. En vrai, la cœur c'est tentante. Mais pas maintenant. Le cœur bleu, il peut pas les prendre comme il veut, c'est ça? En fait, si, mais c'est que ma barre de vie là-haut est déjà pleine. Du coup, je peux pas rajouter des cœurs dessus. Même si mes cœurs rouges sont vides, c'est des cœurs que je peux pas remplir autrement qu'en ramassant des réceptacles de cœurs rouges. Enfin, des cœurs rouges du coup. The Stars. Petite TP là, non. Au niveau dégâts, ça va un peu mieux avec la ceinture. Hein. I'm Drowsy. Ah merde, c'est vrai que j'ai laissé le I'm Drowsy vénère. À l'étage précédent. J'ai très mal commencé cette salle. Heureusement, ça va. Ah vraiment, hein, quand vous connaissez pas un item sur Isaac, c'est toujours une mauvaise idée de chercher, hein, je vous le dis. Y a pas de moment où ça se passe bien. C'est toujours une mauvaise idée. Ok. Parfait. Oh là là.
tous ces stats up. J'aimerais bien savoir au final combien ça m'a donné de stats up en vrai. Ce serait cool à savoir ça. Ah évidemment, j'aurais pas de dernier shop. J'aurais pas de dernier shop malheureusement. Ok. Secret. Si. Ok. Beaucoup de mini batteries. Je pourrais mettre des cœurs là-dedans si jamais j'en ai besoin. Je vais quand même écho mes cœurs maintenant. Alors je peux aller faire la curse maintenant que j'ai des cœurs qui ont droppé. Fais moins peur. Cérémonial robe là. Bon, c'est plus aussi bien qu'avant, mais bon, petit dégâts up. Ah, mais c'est vrai, j'avais l'olim. Excusez-moi. J'avais oublié que j'avais le Holy Mantle. Le mob en bas il a fait une translation vers la gauche, non? Ah bah non. C'est tellement rare d'avoir une machine de reroll. C'est ma troisième picouse, je crois. Ah, y a une vraie question là. En fait, la picouse va me donner la transformation spun qui va me donner du dégât up. Je pense que je le prends en vrai, je manque de dégâts, c'est le seul truc qui me manque. Donc pourquoi ne pas le prendre? Pourquoi reroll pour avoir un autre truc alors qu'en vrai là ça me donne du dégât up, un gros dégât up en plus. Je pense que je le prends. Un 28. Un 28 c'est pas mal en vrai. J'aurais plus de diplo par contre. Ouais, ça c'est une erreur de ma part, j'aurais du diplo à cet endroit là. Comme ça j'aurais... Ah ouais, j'aurais plus de diplo et tout reroll. Oh là là, non l'erreur. Ah l'erreur, j'aurais pu diplo et tout reroll. Ah je m'en veux. Oh. Et vous voyez, je vous le dis, je m'en sers jamais du diplo, c'est ouf. Hein. Vraiment, je m'en sers jamais. Hein. Je m'en sers jamais. Oh, je suis tellement déçu de moi-même là. C'était tellement le moment où il fallait le claquer. Bon. Écoutez, tant pis. Hein. C'est la vie que j'ai décidé de mener visiblement. Le shop, il n'y avait rien. Non mais il n'y avait rien d'autre ailleurs. Hein. Chercher la secret classique. En vrai, j'ai pas besoin. Faudrait que je fonce là. Faut que j'arrête de tout le temps vouloir au petit tout. C'est ouf quand même. Hein. Le cup, ça non? Ouais. I can see forever. Speed up, j'en ai pas besoin. Ah, oh, ça fait trop chier. J'aurais du diplo. J'aurais eu 4 objets à reroll. Enfin, 3 du coup, puisque j'aurais pris la picouse. Ah, oh, c'est non, c'est vraiment trop con. Surtout maintenant, qu'est-ce que je vais... Bon, en vrai, il y a moyen que je chope une God Room ici, peut-être. Peut-être. On va espérer. 1, 2, 3 explosions. N'oublie pas. 1, 2, 3 explosions. On va prendre les dégâts up, j'ai pas eu de God Room évidemment. Je pense que je prends les dégâts up en vrai. Et direction corpse. Attention, les patterns chelous de celui-là, je les connais pas trop. Ça se sent hein, que sur mes larmes j'ai rien, j'ai vraiment pas grand chose. Bon, le pattern était gratuit. Hop. Maman. Maman. Maman, ça va? Ça va pas, hein. Je crois que ça va pas, maman. Curse of Darkness, super. Hey, mais on a des chances de God Room aussi ici, je m'en souvenais pas de ça. Oh, ouais. Je suis pas bien un jour, hein, sur tout ça. Ouais, l'encens aide beaucoup, hein. Ça, vraiment, quand j'ai vu l'encens tout à l'heure, j'étais extrêmement content. Hein. Je sais que à chaque fois, ça m'aide beaucoup. Ok, on va passer par ici. Ok. Non. Faut que je sécurise mon cœur noir là. Tellement de cœurs rouges qui drop. Ah merde, j'ai plus que 2 clés, je suis rentré là. Quel connard.
tout moment j'ai mon objet de guppy. À tout moment j'ai pas avoir de clé. Oh bordel, j'ai pas de clé. J'ai plus de clé. Oh là là, le con. Oh le con. Bon bah j'ai plus de clé. Bien. Ah non mais y'a pas de shop, y'a pas d'item room ici. Tout va bien, tout est pardonné. Oui bon j'aimerais quand même avoir des clés pour ouvrir les coffres du coup. Superbe, bravo. Else up, non merci. Un génie. Un génie incompris, hein, vraiment. Un niveau intersidéral, vous n'avez jamais vu ça. Hein. Ouais, 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 superbe. Mais la guilde de qui? Qu'est-ce que j'en ai fait en fait? Pour. Je l'ai mangé? Pourquoi tous les coffres qui. Ah oui, non, mais c'est le. C'est la Guppy's Tail qui fait ça. Oh, ouais. Superbe. Pourquoi je viens là alors que je sais que c'est pas là? Bonne question. Hein. La maladie du Fouclear, hein. De nouveau. Bon du coup la seule clé que, j'ai eu, bah je l'ai déjà dépensée, superbe. Vous voyez le diploplo là? Est-ce que vous voyez le diploplo avec lequel je vais finir la run? J'espère que vous le voyez bien. Petite bombe là, petite secrète là. Ouais ouais je l'ai laissé pour le wooden. Mais en fait je me demandais pourquoi tous les coffres qui spawnaient étaient dorés en fait. Ok. On va aller ici, c'est pas par là, ok. Toutes ces batteries. Ok, le boss. On a trouvé le boss. Y'a rien par là, c'est en bas. Je vois rien du tout. Hein. Dites-vous que si vous voyez rien, moi c'est encore pire. Hein. Bon, la God Room là. La God Room, on en parle. Est-ce qu'on a envie d'y croire? Oh non, pas Rodgut. Oh, je déteste ce boss. Je comprends rien, il est imbitable le truc. Merde. Ça va? Ça se passe bien? Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Superbe. Merci Gimpy. Hein. Le Martifouette, c'est un grand oui. Le Devil Deal. Eh ben, c'est de la merde. Je pense à Diplopia, bah ouais, mais là non. Du coup. Ou alors, ce que je fais. Bah non, 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 ça sert à rien. Bah non. Je vais prendre ça parce que je crois que je l'ai jamais pris. Et à la limite, je me fais une mouche. Et comme ça, ça me fera du stats up là, quoi qu'il arrive. Parce que le diploplo, je m'en servirai pas en vrai. Donc autant que ça me fasse une mouche. Allez. Autant que ça me fasse une mouche, j'ai laissé un cœur bleu quelque part. On va le récupérer pour dire d'opti quand même à 100%. Et puis, tu vois. Oui, j'aurais pu diplo et prendre le Abyss gratos. Mais du coup, ça me laissait pas. Bah, si, ça me laissait. Bah, oui, si, ça me laissait avoir une. En fait, c'était gratuit, je perdais pas de cœur. Je pense que je perdais pas de cœur, du coup, effectivement. Allez. Salut, Brawl Guy. Curse of the Maze, ok. Faut j'arrête de récupérer les trucs, je m'en fous maintenant. Faut foncer au boss, puis c'est tout. J'ai rien à faire là. Avec l'encens, ça devrait passer tranquillou, Mother, je pense. Je suis full vie. Mon build est pas. C'est pas un build de fou furieux en vrai. Hein. J'ai pas. Enfin, mes stats sont très corrects, hein, qu'on s'entende bien. Aucun problème avec ça. Mais j'ai pas d'effet sur mes larmes, j'ai pas de trucs particuliers quoi. Je t'emmerde un peu. J'ai pas de clé, bordel. Okay, c'était short ça. Hein. Ouais, pourquoi pas. Et... Ah, oh, ah, oh, oh, ah, c'est un cœur complet. Ah, j'ai mal au cul. Attendez, j'ai deux cœurs là. Ça donne des stats up. Alors, je me permets, hein.
Pourquoi je fais ça, bordel? Qu'est-ce que je peux récupérer? En quoi ça m'intéresse? Répondez-moi, par pitié. En quoi ça m'intéresse de faire ce que je suis en train de faire? Rien, rien. Qu'est-ce que... Quoi? Si, il peut peut-être me donner Abaddon, en vrai. Mais bon. Mais oui, la maladie de l'opti, non mais c'est terrible, hein, vraiment, alors que j'ai juste à foncer, quoi. Et c'est win. Je fonce et c'est win. Putain! Mon Limontel! Le jeu arrête de me donner des cœurs rouges par contre, parce que sinon je vais vriller. Hein. Ah, je peux ouvrir le coffre, j'ai la Golden Key. Attendez, je vais pas manquer l'occasion d'opti. Quand même, pas dommage. Quel enfer! Oh, j'en ai marre! Le jeu, quoi. Pourquoi je fais ça? Voir du stats up, est-ce que j'en ai besoin? Non. On va aller faire la curse parce que. Allez, j'ai eu du damage, ça fait plaisir. Allez. Allez, allez, c'est tout ça pour ça. Non, non, mais en vrai, c'était bien. En vrai, c'était bien. Je vous assure, c'était bien. Là, vous en rendez peut-être pas compte, mais. Je vous assure, c'était bien. Bah, je l'ai prise en pleine gueule, mais bah, alors, mais en. Pleine gueule celle-là, hein. J'ai bien mérité. Hein. Je l'ai bien poussé jusqu'au bout en plus. J'ai bien fait du foot avec. Donne un truc, bordel! Oh, je l'ai marre. Pourquoi je continue d'opti? C'est vraiment une maladie que j'ai. Hein. C'est vraiment terrible. Hein. Je continue d'opti alors que j'ai plus besoin. Sauvez-moi de ce calvaire. Hein. Oh là là. Non mais désolé, mais je vais le faire. Je vais le faire parce que je sens que c'est le moyen de... Voilà, c'est le lol pour cent de ce stream. On va beaucoup rire, regardez. Il va me donner un objet de ouf. Voilà, vous voyez, bah voilà, la run est gagnée. C'est bon. C'est bon. Vous voyez, grâce à ça, je me garantis, quoi qu'il arrive, même si voilà, je mange la manette, et eh ben j'aurai le temps quand même de la récupérer, de la rechier et de gagner ensuite. Voilà. Vous voyez, tout est carré en fait. On est bon. Allez, viens là. Viens faire un câlin, maman. Je connais pas ce pattern par contre. Fais gaffe, hein. Alors oui, au ralenti, ça va être chiant un peu là. Ah, c'est ralenti ou pas? On comprend pas. On comprend pas. Maman, arrête. Maman. Elle fait du football, elle fait du football. Je joue au basket. Elle joue au basket, c'est bon. Tout va bien. Mais non, mais ça me fout dans la merde. Ah, mon encens. Mon encens qui me fout dans la merde, c'est bon. Bah évidemment, je l'ai prise par derrière, bien sûr. C'est bon. Tout va bien. Pourquoi je m'énerve après tout, hein. Le jeu est simple, je suis d'être fort. Tout va bien, ça passe tranquillement. Voilà, je crois que c'est régul le combat contre Mother. Hein. Je crois que c'est bon. Ouais, j'ai récupéré Algis pour pas l'utiliser. Mais c'était pour être sûr. Mais non, mais maman. Quoi? Toujours une pensée pour Mythos, toujours. Toujours. Je vous le dis, à chaque fois, je ne peux plus voir cette cinématique sans entendre Mythos, c'est terrible. Il est rentré dans ma tête. Qu'est-ce qu'on vient de débloquer là? 521. Qu'est-ce qu'on vient de débloquer? On a quand même pas débloqué le truc dégueulasse là, du challenge immonde buggé là.
Quand même pas. TM, TM, TM Starter, je crois que ça s'appelle comme ça. Non, TM, TM Trainer. Oh non, 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 on a débloqué ça. C'est un vrai objet, ça. Eh ben, super. Eh ben, Eden, on, bah Eden c'est fini. Voilà. J'ai unlock le pire item du jeu. Eh ben, super, je suis extrêmement content d'avoir fait. Je vais être très content de le trouver dans une run. C'est pas TM Trainer. Ah! C'est pas celui-là. C'est quoi, du coup? Quel objet ça peut être? Je ne sais pas. Bon, YouTube, excuse-moi, YouTube, à chaque fois en fin de VOD, j'ai du mal à... Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la soutenir pour voir un petit peu plus de contenu Isaac. Déjà pas mal de vidéos sur la chaîne, mais on avance très très bien, mine de rien. 521 succès sur 637. Tout va bien. C'était une belle soirée pour nous, en tout cas. N'hésite pas à venir en stream pour voir tout ça. A très vite. Prends soin de toi et des bisous.